Plop les gens! Alors, de retour sur Graveyard Keeper, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on commence tout de suite le petit récap habituel, quand je ne stream pas deux fois d'affilée. Alors, moi, toujours la même mission que d'habitude. L'astrologue de l'acide encore, le serpent, le Necronomicon, qu'il faudra demander à l'astrologue. Donc, pour le moment, les deux sont bloqués par l'acide. Le marchand, alors les 5 dîners, j'ai un peu la flemme, surtout qualité or. Par contre, vendre cette caisse, ça c'est presque en cours là, avec l'industrialisation qu'on a fait dans les derniers épisodes. Mademoiselle Charme, obtenez un flacon de parfum. Voilà ce que je devais faire, ce sur quoi j'ai terminé et que je voulais continuer. D'ailleurs, il me semble que j'ai passé genre une journée à chercher où étaient les grenouilles, alors que j'aurais pu retourner voir Cloto et racheter une grenouille à la place, mais bon, c'est pas grave. L'évêque, flemme, enfin, faut avoir plus. Cloto, elle était là, et par contre, du coup, il n'y a pas la mission de Madame Charme qui veut ses grenouilles. Voilà, Mademoiselle Chêne, excusez-moi, la femme bien-aimée de l'aubergiste. Ils s'en fichent quoi, ils veulent pas nous dire en fait pour le flacon de parfum c'est là. Alors jour de serpent, mais on s'en fiche un peu. Ça, j'ai 11 grenouilles du coup. Du coup je vais reposer celle-ci. Peut-être qu'on en fera d'autres. Peut-être que j'aurais pu la mettre au mélangeur à main ou quelque chose comme ça. Ah oui, j'ai un certificat d'inhumation. Est-ce que j'ai... Lui qui travaille très bien. Ici, ça ne travaille pas. Je vais faire un peu de jardinage quand même avant. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon avec tout ça. On repose ça ici. Et on pose. Ah oui, j'ai oublié les oignons. Non, pas la tarte. Et j'ai oublié de poser les oignons. Et voilà. Je pense que c'est bon. On vérifie si on a un cadavre ou pas. Je ne sais plus du tout. J'aurais pu faire le vin, le raisin aussi. Mais je vais quand même m'occuper. Oui, il y a un cadavre. Ok, donc là, il est déjà à 90. C'est déjà trop tard pour le faire ressusciter. Presque trop tard, mais le temps que je m'occupe de lui, ça le sera sûrement. Surtout si je vais chercher la foi et le... La foi et le jus de zombie. On va peut-être essayer quand même, mais je pense que c'est un aller-retour pour pas grand-chose. Pas ici, et on prend le jus de zombie. Je pense qu'on va tout reposer. Si j'ai un peu de chance, ça me fait un zombie de plus, sinon tant pis. Et voilà. Tant pis. J'en étais sûr. Ah. Mince, avec tout ça, il fait déjà presque nuit. Je pense que j'aurai quand même le temps d'aller voir Cloto.
avant qu'elle ferme boutique. Et d'ailleurs, je pense aussi, juste après avoir éteint stream, je me suis dit, au fait, la grenouille, elle est dans le lac de... les grenouilles sont dans le lac du village, dans le petit étang pourri, là. Ah, elle les récupère pas tout d'un coup. Bon, c'est pas grave. Je prends ça, de l'alcool. Observateur. Élixir d'or. Ça peut être bien ça, avec l'élixir d'or. Solution balsamique. Élixir noir. Et en même temps, prendre les trucs déjà avancés. Acide, bah voilà, il y en a là. Par contre, 5 pièces d'argent. Bon, si vraiment j'en ai besoin, je le prendrai là. Mais 5 pièces d'argent. Pour juste avoir. Pour avancer en fait dans l'histoire, ça me paraît beaucoup. Enfin, beaucoup et pas beaucoup à la fois. Alors. Là, il n'y a plus de carottes. Et j'ai de quoi faire deux zombies, donc en fait, je pourrais mettre des carottes. Je vais le faire. Je vais faire le petit aller-retour ici. En fait, on prend tout. Et là, on s'arrête à 39. Voilà. Bim, bim. Ensuite, on va se vider les poches parce que j'ai encore tout ce que j'ai voulu faire avec le zombie là pour faire un zombie. Attendez, mais pourquoi là? Voilà. Là, ce que je veux, en fait, c'est une histoire. Ah non, oui. Non, j'ai fait de l'avance. J'ai fait de la merde, je me souviens plus. Là, ce que je veux, c'est du papier X. C'est du papier X, Y pour dire infini. Je m'en mêle avec les touches de manette. Oui, les papiers que j'ai sur moi, ils viennent d'ici. Je pose le crâne. D'ailleurs, je pourrais peut-être améliorer encore le sous-sol. Mais vu que je sais pas trop à quoi ça sert, je vais pas faire ça tout de suite. Non, c'est pas ici le crâne. Voilà, j'en ai 5, je pourrais améliorer. J'en pose 2. Et on va en ville. Rapport des ventes. Caisse en argent, 1. Ça nous a fait 10 pièces d'or. Caisse de marchandises, 2. Ça nous a fait 2 fois 15 pièces d'or. Ça nous fait 40 pièces d'or. Ah oui. D'argent. 40 pièces d'argent et 75 pièces de bronze, je crois. Oui, donc en fait, quand je disais que 5 pièces d'argent pour avoir juste de l'acide, c'est dommage. En fait, c'est un peu faux. Oui. Donner les grenouilles. La nourriture a été livrée. Prendre le parfum. Ok. Ok. Donc. C'est 30 avec Auradric. Ici, je pense qu'on pourra juste pas y aller. Mais
j'ai envie de caresser le chat. Lui, on s'en fiche toujours un peu, je crois. Les certificats d'inhumation. Soit faut que j'essaye tous les jours avec lui, soit ça sera un jour comme ça. Donc, je suis plus partant pour tomber sur lui un jour. Donc on a le parfum pour Mademoiselle Charme. Fabriqué à établi d'église. Ah mince, j'aurais pu faire ça aussi. Du coup là c'est le jour de l'homme, donc l'inquisiteur, mais... J'ai pas de bière ni d'oignons en or pour faire des burgers en or. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Après, c'est le jour de l'astrologue. L'astrologue, c'est... C'était l'acide. Bon, on va essayer d'en profiter pour... Alors, soit je fais des mélanges pour essayer d'avoir l'acide. Soit je vais dans le sous-sol pour... Soit je vais au sous-sol pour dans le donjon pour essayer d'améliorer ça. Et il faut de la foi pour faire de la pierre sculptée, j'ai oublié. Très bien. Je vais quand même poser le parfum dans le coffre. J'ai quoi comme équipement en fait? L'armure de fer. Une épée. Comme ça. Et dans les technologies, c'était... Ici. Épée, armure de fer, d'accord. Ouais. C'est les suivantes, ça. Pas donc. Enfin, je crois que si je pouvais faire des outils améliorés. Attendez, j'ai quoi comme outil sur moi? J'ai H1, pioche 1, pelle 1 et marteau rouillé. Et là, je peux faire les deux. Ça m'intéresse quand même. Je vais les faire. Ok. On va commencer par le marteau. On va ensuite faire... Ah oui, c'est vrai qu'on peut les enchaîner, donc on va faire ça. Et la H2. Il me manque des pièces de fer simples. Complexes. C'est des complexes, je crois. Ouais, des complexes. Pas assez d'énergie. On va manger la tarte. J'aurais peut-être pas dû en faire autant, mais c'est pas grave. La pomme. Oui, la pomme encore. Les asticots. J'aurais peut-être pu aller me coucher en fait. Ouais. Alors. Jour de l'astrologue, on n'a pas cherché pour l'acide au final. Un cadavre à la nuit tombée. Faut vite y aller quand même. Si je veux espérer avoir quelques zombies de plus. Pour éviter de les échanger de place à l'infini. Aussi de pas faire presque du tout d'erreur médicale sur les cadavres qui arrivent. Se prendre. J'ai oublié.
j'aurais pu prendre en passant la foi et le jus de zombie. Pas si grave. Oui. J'ai bugué, j'ai eu le crâne, j'ai cru que je l'avais mis dans le coffre, dans l'étagère. Non, ici, je pose ça et ça. Enfin, où en étaient les vignes. Mais bon, je crois que j'ai mieux pour produire des sous maintenant. C'était 5%, ok. C'était lui mon 18%. Ouais. Y a plus besoin. Enfin, quoique. Ce qui m'embête, c'est que quand il est au sol, je peux pas savoir à combien il est. Je vais l'enlever juste pour savoir. Il est à combien lui? Il est à 12%. Qui a passé une semaine dehors, on le prend. Là, il y a des tout petits stocks. T'as 12% aussi. Ouais. Le problème, c'est que si je le mets là, logiquement, lui va plus suffire. Il ne va plus suffire. C'est pas grave. Du coup, la cidre, j'ai pas fait. Du coup, le jour prochain, ça sera le soleil, donc on va faire le sermon et ça sera vite fini les actions du jour. Par contre après c'est Mademoiselle Charme, faudra pas que j'oublie de lui donner son parfum. Et ensuite c'est le marchand avec qui on peut s'amuser aussi. Non, j'aurais pas dû. J'ai assez de bois. Par contre, celui que je vais trouver sur le chemin, je vais lui faire le long trajet plutôt. Peut-être que je le trouverai sur le chemin s'il veut bien revenir. Bim boum.
pièce de vis, il va me falloir quelqu'un qui me ramène du fer. Entre autres. Non, c'est bon, il s'ennuie un peu lui, c'est parfait alors. Voilà. Maître. Au final. Au final, il a pu tout prendre dans un trajet. Non, pas par là. Alors. Ah, cadavre. Aussi la fin de la journée. Je vais essayer d'en ramener qu'une. Je vais laisser l'autre ici. Voilà. De toute façon, tiens, fais ça. Ouais, on ne peut pas le mettre ici. Hop là. Cadavre, on a dit. Et on a dit qu'on pouvait peut-être préparer deux caisses pour bientôt. Vu qu'il y en a déjà une sur place. Je vais laisser le zombie s'en occuper pour moi. Tous les crânes comme ça, vu que ça augmente le, enfin, ça diminue la qualité, mais en même temps, je suis pas non plus dans un jeu d'optimisation où je vais tout optimiser pile poil. Je vais mettre le miel là en fait. Oui, le jus de zombie. J'aurais dû acheter de la poudre de vie là. Alors, à combien es-tu? Nouveau petit zombie. 12, je parie. Pour ne pas changer la tradition. Ah! On l'aperçoit à un quart de seconde. 10%. Prendre. Pourquoi il veut pas fabriquer du blé? Ah, j'ai pas assez de graines. Genre
Mince. Brique de pierre polie, genre. Ouais, une petite vingtaine. Tiens, tu vas nous faire ça en fait. Assure-moi que je m'en fiche. J'ai pas grand chose. Je dors, je vais faire le sermon. Et on verra après. Pinipim. Pinipim. Je crois que je l'ai mis. On va continuer avec les cultures. Ça me va plutôt bien. Les mêmes mots, hein. Même si je change de bénédiction. Oh, 11, bien. Je pensais que ça allait s'arrêter à 10. Je vais tout ranger au sous-sol. Oui. Alors, on range ça ici. On range ça. Non. Voilà. On va faire les études. Comme ça, on pourra vendre les anciens outils. Disant pas qu'on a oublié de les étudier. Après ils nous donnent de la science rouge, c'est plus ou moins la plus facile à avoir, donc c'est pas dramatique, mais ils nous en donnent plein, donc si jamais j'en avais eu besoin, si jamais j'en ai besoin à un moment, au moins je serais pas en regret. Voilà. Abeilles. Poudre et fluide. Ça fait quoi de la poudre d'abeille? Les graines. Sang, oui. En poudre. Ça vaut 2. Et ça vaut 1. On va finir toute la fois qu'on est en stock. Ça me donne une histoire. Très bien. On peut mélanger à la main une abeille. Ah mince, je l'avais déjà fait. Solution d'ordre. Elles se mettent ici. Déchets agricoles, on peut pas. Ça doit être le broyeur. Il me faut le broyeur pour pouvoir avoir de la poudre et, si possible, de la poudre de vie. Non, tout ça, faut que je le pose soit chez moi, soit. Potager. Ok, donc le zombie a fini de fabriquer les deux caisses. Du coup, il travaille plus.
Ah, il doit lui manquer quelque chose. Eh ben non, vas-y. Il lui manque peut-être de la place ici. Non. Pourquoi tu... Je l'ai sur moi. Seul 2 secondes. Voilà. Voilà. Poser tout ça. Les abeilles à l'intérieur. Tout ça on est... Non, on peut l'équiper, tout ça. Les bâtons dehors. On va équiper tout de suite, comme ça on n'oublie pas. Équiper. Donc ça c'est tout étudié. Voilà. Et ça, pas vraiment. Mais c'est pas grave. Donc je peux aller vendre, mais c'est la nuit. Il faut que j'aille au potager. On va faire le raisin tout de suite aussi. Donc on va garder les... non. Oui, je voulais faire ça. Pour avoir toutes les graines que je pouvais. Voilà. Donc on pose. On pose les graines, maintenant t'en auras assez. Et je garde ça puisque je vais là-haut. Je pourrais l'utiliser sur le raisin. Un de verre qui va traîner là. Non, on va quand même le prendre. Ok, j'ai mis ce clic, mais ça va, c'est pas trop... Pas trop grave. Astico, je peux aller au sous-sol presser le raisin. Tu sais quoi ? Non, c'est le jour de Mademoiselle Charme, faut que j'aille la voir tout de suite. Mais avec le parfum. Si ça se trouve, c'est un truc super cher le parfum. Vu que je peux en reproduire théoriquement à l'établi du sous-sol de l'église, on verra plus tard. Pourquoi il travaille plus avec sa pierre polie lui? Je l'ai pas mis là, je l'ai mis où le parfum? Où est-ce que j'ai mis le parfum? Bah non. En plus c'est pas comme si j'avais fait quasiment tous mes coffres depuis. Non. J'aurais dû le garder sur moi.
C'est dommage. Pour moi, je l'avais mis ici pour toi. Oui, c'est juste que je le voyais pas. J'ai eu peur pour pas grand chose. Qu'est-ce qui te manque du coup? Ok. Ok, maintenant que je sais à quoi sert le burin de fer. Enfin, le burin en fait. Bah, il le casse. Tellement je le fais l'utiliser. Oui, je pose les déchets agricoles quand même. Je vois d'abord Mademoiselle Charme et après. Je regarde pour vendre tous mes outils et me refaire de la place dans l'inventaire. J'aurais dû passer par le sous-sol, mais c'est pas grave. Tenez, un flacon de parfum. Ah, laissez-moi vous embrasser. Je suis si heureuse. Je le porterai au cours de mon concert au Palais Royal. Enfin, je vais attendre le sommet de ma... je vais atteindre le sommet de ma carrière. Il reste tant de choses à préparer. Succès parfum. Vous êtes si bon avec moi. Mais peut-être pourrez-vous m'aider encore un peu. J'aurais besoin d'une histoire romantique pour l'ouverture de mon concert. Vous aurez peut-être une idée. Je ne suis pas très doué pour écrire et je n'ai pas envie de quelque chose de trop trivial. Je pense savoir où je pourrais vous trouver une bonne histoire. Oh, vous êtes vraiment le genre d'homme dont je pourrais tomber amoureuse. Une histoire en or, ok, ça j'en ai en stock. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire l'aller-retour? C'est plus important limite que... Enfin important, y a rien d'important. Mais vu que son jour à elle, c'est qu'une seule fois, alors que le marchand de... Tant pis. Si, c'est là-bas les histoires. Le marchand de... fer, il est là tous les jours. C'est plus important que je m'occupe de d'avancer son histoire. Alors je pose ça et je prends ça. Ouais, j'aurais pu le prendre lui. Si j'avais pris le zombie au passage, je l'aurais fait créer quelques histoires aléatoirement. Peut-être des livres de force là, mais non, plutôt des histoires. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le plus intéressant. Eh ben, je suis passé en haut. Mademoiselle Charme, ne vous en allez pas. Je suis là pour vous. Lui, il fait des histoires d'argent. C'est bien ça. J'ai une histoire géniale. C'est une histoire d'amour. J'espère qu'elle mettra le public dans le bon état d'esprit. Oh, que deviendrais-je sans vous? Allez hop, plus 10 encore. Je commence à croire que je suis irremplaçable. Ah ah, au fait, connaissez-vous le fermier local? Oui, il nous arrive de faire affaire ensemble. Bien, allez lui parler d'homme à homme. J'aurais besoin que sa fille Alice m'accompagne au concert royal. Elle est si douée et si belle, il n'est pas impossible qu'un noble apprécie sa beauté. Peut-être même le roi. En personne, allez savoir. La pauvre petite est muette, mais cela pourrait constituer un grand avantage pour elle. Quel est le problème? Oh, ce n'est pas grand-chose. Il faudrait juste que son père lui accorde sa permission, afin qu'elle puisse se rendre en ville avec moi. Va falloir que je lui donne mon passe pour aller en ville.
il n'approuve pas vraiment son intérêt pour la musique. Mais vous parviendrez peut-être à le convaincre. J'ai les papiers pour Alice. Je peux lui donner des prospectus. C'est les mêmes schémas que pour les prospectus, non? Bon, au pire, c'est pas grave, parce que j'aurai pas le temps de faire l'aller-retour, plus... il va me demander je ne sais pas trop quoi. Je vais d'abord vendre au forgeron. Hein? Je peux pas lui vendre tout ça? Bon. Tant pis. Que j'ai le temps d'aller voir le... En fait, c'est lui le fermier, oui. Logiquement, c'est lui, c'est pas celui qui s'occupe... Ouais. J'hésitais avec celui qui s'occupait des vaches, tout ça, mais non. C'est bien lui. À propos d'Alice. Oh, cinématique. Je suis venu vous demander la permission de laisser votre fille aller en ville avec Mademoiselle Charme. C'est une grande opportunité pour elle. J'ai besoin d'elle ici. Nous avons beaucoup de travail à la ferme. En plus, je n'ai pas confiance dans cette actrice. Elle a déjà passé trop de temps à aider à la taverne. Je n'aime pas ça. Hé hey. Vous voulez aider Alice? Oui. J'aime bien quand elle joue. Je veux aider aussi. Si vous aidez mon oncle à réparer le moulin, alors père sera si content. Je lui demanderai pour Alice et je parie qu'il la laissera y aller. Merci, je parlerai à votre oncle. Ok. C'est tellement... Ah, je vais aller dans mon potager pour une fois dans toute ma vie. Et comme ça, tu peux discuter tranquillement avec mon fils, discrètement dans mon dos. Ouais, mais bon, pour réparer le moulin là-haut, va falloir que je revienne en journée. Oh, non, il est là. Ça me fatigue de ne rien avoir à faire. J'aimerais aider à réparer le moulin. Savez-vous ce qu'il faut pour réparer le moulin? N'hésitez surtout pas à essayer. J'ai tenté de le réparer moi-même, mais le résultat était encore pire. J'ai ce manuel, mais il est en latin. Mon Dieu, c'est encore pire que chez Ikea. Il est écrit que nous avons besoin de pierres et de pièces en acier. D'accord, voyons les instructions. Où est la dernière page? Il n'y avait pas de dessin dessus. J'ai pensé que ce n'était pas important. Et le papier était si doux. Il s'est torché avec. Je vois, la géométrie n'est pas vraiment mon fort. N'est vraiment pas mon fort. Je pense que j'aurais besoin de l'aide de l'astrologue pour comprendre tout cela. Oui, très bien. Réparer le moulin. Il nous faut un papier avec des calculs. Et c'est avec l'astrologue que je pourrai l'avoir. Très bien. Bon, raison de plus pour essayer de forcer à avoir le... Enfin, forcer, essayer d'avoir l'acide la prochaine fois. Comme ça, avec l'acide. Non. Je devrais pas. Avec l'acide, j'irai pas voir l'astrologue pour juste une chose, mais au moins pour deux. Alors. J'ai mis des graines ici? Ah non, c'est lui qui les a mis. Là.
histoire. Voilà. Donc là, demain, il y a le commerçant qui vient, donc il faut... Ah oui, j'ai tout ça du coup en rap. Je vais les garder sur moi jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui les veille bien. Oui. Il y a le marchand demain. Je sais pas combien on en aura vendu des... Il y en a qu'un là, il y en a qu'un, ok. Je sais pas combien on aura vendu de caisses à ce moment-là. Ok. J'aurais dû repasser par le sol, c'est pas grave. Quand on est à la manette, je vois bien que j'ai fait du haut, bas, haut, bas, comme un mec bourré en fait. Avec la manette, être précis, c'est pas forcément... C'est pas facile. Oui, c'est pour lui que je venais. Parents à faire. Non, j'en suis pas. Ah! Comment on sait combien j'en suis? Palette, c'est une caisse à chaque fois. Ok, comment je sais à combien j'en ai vendu? J'ai dû en vendre une, puis trois, puis là le 3, ok, donc ça sera la semaine prochaine qui voudra bien normalement. Pas si grave. Par contre les pelles, tout ça, je sais vraiment pas à qui les vendre. T'es sûr tu les veux pas toi? Ou alors c'est juste parce que je t'ai pas débloqué le rang 2 et tout. Ouais, je vais te prendre une pierre à aiguiser. Ou deux. Allez, soyons fous, deux. Non, ça n'augmente pas mon niveau d'amitié avec lui. Par chez les gens, c'est compliqué. Pas faire de mal d'avoir un peu de stock d'avance. Il veut même pas la pioche quoi. La hache.
C'est plutôt la hache qu'il faudrait. Je suppose que son frère à la pierre, il faudra pas non plus, quoi. Abeilles ici. Ah oui, je peux les acheter 20. Si j'ai vraiment envie de me mettre à l'apiculture, ça va. Je peux. Je l'avais oublié. Bref, le commerçant. C'était rien d'intéressant. J'aurais dû acheter peut-être les outils de réparation pour cette... cette tombe. Le Necronomicon, donc non. C'est sûr. Non, il lui faut du combustible. Je ne me trompe pas d'onglet. Si je fais ça, je suis parti pour... Je m'arrête à 50. Ouais, là, un purin. Ici. Aiguisé. Tout est fini. Fais le burin pour que l'autre puisse travailler. Le vin rouge, c'est très bien. Les œufs, c'était en haut plutôt. Est-ce que j'ai essayé de mélanger à la main des œufs? Je ne sais plus. Va me falloir du bleu, va me falloir aller dans le souterrain, je pense. On va refaire un petit point sur les missions en cours. Vendre cette caisse, donc ça doit être bon. Le fermier, mais pour ça faut que je vois avec le meunier pour réparer. C'est bien, c'est pas marqué. C'est cool les missions qui se mettent pas dans le... ou alors elles se mettent, elle s'est peut-être mise chez le fils du fermier, mais ça aurait été bien que ça se mette sur le fils du fermier en mode bah aide mon oncle, et sur le meunier en mode ils sont tous les deux là en fait, et le meunier en mode répare mon moulin. Je
crois qu'il va falloir ça en plus. Pour ça que j'ai pas voulu mettre tout le fer à cuire aussi. Parce que les schémas du fourneau. 3. Peut-être que ça améliorera la vitesse ou la production. Donc ça c'est intéressant, les vitraux c'est intéressant. Ouais, je crois qu'il faut que je vise le... Non, on a dit l'acide. Pourquoi je vais faire autre chose? Alors, je ne peux pas prendre d'ici. Pas marcher pour le... Il se décompose en rien, étude inachevée, mais... Ah si, ça va se décomposer en liquide, quoi, mais il faut la broyeuse à main, je sais pas comment elle s'appelle. Souris, ouais, j'avais déjà testé évidemment. Une solution de chaos. Pim 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 pim. Non. Je vais remonter les papillons, tout ça. Oui, broyeur. Oula, j'ai l'impression que mes personnages lag. Tableau d'étude, très bien. Brouillard alchimique, donc 2 pierres polies, 6 planches, 4. C'est ça. 2 briques de pierres polies, 6 planches et 4 pièces de fer simple. 2 6 cases, c'est super. Bonjour, code fret, mais je n'écris ou ne parle pas russe. Ni les langues proches. Si c'est pas du russe, je ne connais pas cet alphabet-là. J'ai déjà oublié ce qu'il fallait. Si. Il me faut 2 planches. Merci pour le follow, code fret. Ça, je le pose. Il me fallait 2 pièces de fer simple aussi. De faire ça, 2 6 4, oui. Et du coup je vais peut-être faire quelques pièces de fer simple en avance. Voilà. Ajoute 3.
Ajoute 3, ajoute 3, ajoute 4. Ajoute 4. Maintenant que je commence à avoir des zombies qui peuvent travailler pour moi, autant que je les fasse faire ça. Là normalement j'ai deux planches, à moins qu'il s'est mis tout à droite. Que je les avais prises. C'est pas grave. Ah, parce que j'ai... Ok. Tu vas nous faire quelques doses d'avance, toi. Comme ça, je serai plus en déch. Oui, j'ai perdu la pierre polie parce que quand j'ai créé le... Quand j'ai demandé de faire des... je vais dire des entêtes. Des croix pour les... pour le cimetière. Ça a pris celle que j'avais sur moi. Donc le broyard. Ici, ce serait parfait. Non. Au mélangeur à main, mais ici il tient parfaitement. Ben, ici c'est le mélangeur que j'aurais dû mettre à gauche, c'est pas grave. On va voir ce qu'on peut broyer de ce qu'on a sur nous. Et ça veut dire que j'ai pas assez d'énergie. Ouais, on peut aller dormir. Aller dormir. Juste de vérifier que les zombies travaillent toujours. Évidemment non. Demain, jour de l'inquisiteur. Non. Rien de spécial. J'ai toujours pas d'oignons en or, tout ça. Par contre, l'astrologue, c'est après-demain. Une aile de chauve-souris, ça va faire une poudre du chaos. Poudre de santé. Si je décompose... Ah, je peux pas décomposer la graisse.
si je décompose du miel, ça donne une poudre de d'accélération. D'accord. Pour le moment, rien de très important. Après, évidemment, j'ai pas encore fait tous les mélanges. Je vais rechercher les insectes. Non, qu'est-ce que... Si. Les insectes, les os, crânes, tout ça. Alors, ça. Est-ce que genre les œufs, on peut les... cuisine n'est pas possible de... Non, c'était là-haut. Alors, on va broyer. Non, ce qu'il y a sur moi, c'est là-haut. Une abeille. Pauvre petite abeille, non! Trop tard. Poudre d'ordre. Ouais. Un os. Oh, du sel, ça. Poudre blanche. Ok. Quand même pas du sel. Les intestins. Poudre de vie. C'était pas la poudre de vie, c'était la poudre de santé. Dommage. C'était du sel, c'est pas de la poudre blanche. Élixir d'énergie. C'était grâce à ça qu'on avait fait le... C'est grâce à l'élixir d'énergie qu'on avait fait le... Les engrais. Poudre de chaos, je peux la tester avec pas mal de choses là. On va la tester avec la solution du chaos, je sens que ça va rien donner, mais on peut tester, ça donne rien. La poudre de chaos avec solution d'ordre, chaos ordre, ça donne rien. Par contre la poudre d'ordre, je crois que j'en avais. Voilà, avec la solution de chaos. Comme ça on a inversé chaos et ordre dans les deux sens, ça ne donne toujours rien. J'étais sur quoi? J'étais sur la poudre de chaos avec le sang, mais le sang je crois que j'avais essayé toutes les poudres avec. Solution d'ordre avec la solution d'accélération. Ça ne donne rien. La poudre du chaos avec la solution de ralentissement. Je ne sais pas pourquoi ça donnerait quelque chose, mais alcool de truc visqueux. Ah, ah déjà, ça a de l'alcool. Et non, la poudre du chaos, j'ai essayé avec toutes les potions. Sauf la solution de vie. Mais j'ai plutôt envie d'essayer la poudre toxique d'ordre. Ah, toxique et vie, ça peut être marrant. La poudre d'ordre. Non, mais j'ai rien en fait. J'ai rien d'intéressant. Toxique. Ça peut faire un peu d'acide, non? Je sais pas. On va essayer ça. Toxique et ordre. Non.
toxique et ralentissement. Non, toxique et accélération. Logiquement, non. Je ne vois pas. Truc visqueux ralenti. Tiens, j'ai de la poudre de chaos sur moi. Toxique, elle est où? Elle est là. Et solution de vie. Cendre de truc visqueux. Ouais, très bien. Donc rien d'intéressant. Ça, on pose. Voilà. Bien avancé moi avec tout ça. Je suis pas bien avancé. Pourquoi j'ai une grenouille sur moi? Ah aussi parce que ça faisait faire partie de tout ce que je voulais. Non. Compressé, broyé. Et j'ai posé la hache. Tu n'as plus de stock, très bien. Ah oui, effectivement. De l'emplacement en tout cas. Je vais prendre ceux qui sont ici aussi. Ah oui, l'étude de ça, ça porte du bleu. C'était quoi? Il y avait un truc à manger qui m'améliorait. Poisson. Récupération d'énergie en dormant. Je ne me souviens plus ce que c'était. Si je m'embête à aller là-dedans, ça va être un peu long. Je pourrais faire des burgers. Mais j'en ai moins besoin maintenant. Toutes les améliorations durent plus longtemps. C'est quoi? C'est du sel, d'accord. Ça coûte juste des sous au final. Quoique ça coûte de la pâte. C'est pas grave. Mais c'est la pâte brisée, c'est la facile. La. Oui, c'est la brisée la facile. Non, c'était le gâteau, voilà. C'était le gâteau. C'est bien aussi en fait. Faudrait que je me fasse des trucs de bosseur. Des pâtes. Ouais. Il faut des baies. C'est parti pour des baies. Celui-ci. C'est parti pour des baies. Il m'en faut 5. 4 ici.
presque. Tant pis. Re4 et re4. Voilà. Donc je vais me faire genre deux gâteaux. L'étude aussi. Du coup, j'ai pas beaucoup de place sur moi. Je vais toutes les poser dans le coffre. Sauf deux. Enfin, un de chaque. Qu'il faut que je pose au sous-sol pour les étudier. Mince. Je suis en train de partir pour faire un marathon encore. Très bien étudié ici. Avec le gâteau, ça me donnera normalement pas mal de bleu. Et là, on trace voir Clotho, acheter de l'acide. Et après, on traverse toute la carte pour aller voir l'astrologue. Lui donner l'acide. Voir pour les feuilles de calcul, tout ça. Le Necronomicon, puisque ça sera juste après l'acide. Bref, un aller chargé pour l'astrologue. Si je prends pas trop de temps avec Clotho. La colle, je m'en fiche. Le problème de l'astrologue, c'est que si jamais il me demande quelque chose, j'ai pas le temps de faire l'aller-retour, quoi. J'ai rarement ou difficilement le temps d'aller chercher, je sais pas moi, même une planche de bois, quoi. Ou alors faut que je l'achète au même. Faut que j'ai peut-être un peu de chance et que je l'achète directement dans le village, si je me souviens où est-ce que je peux acheter ce qu'il veut. Ça se décompose. Bref, pas le temps de vérifier si le... si le déchet agricole, voilà, se décompose. Qui reprend le dessus un peu bizarrement. Des œufs, des... Non, pas besoin. Si je veux l'huile de graine, je peux lui acheter directement. Il en a pas mal et ça sera moins cher que d'acheter des graines de chanvre. Parce qu'au final, pour faire de l'huile de graine, il faut acheter des huiles de chanvre, enfin des graines de chanvre et les broyer. Voilà, j'ai mis une demi-journée à juste venir jusqu'ici. Necronomicon, c'est bloqué, j'ai besoin de calcul. Ouais. J'ai l'acide! Voilà l'acide, il devrait y en avoir plus qu'assez. Je pense avoir tout le nécessaire pour nettoyer ces pages. Laissez-moi un instant, jeune homme. Un peu d'acide.
Les jeunes sont toujours pressés. Mais où allez-vous? Il n'y a rien par là. On sépare délicatement les pages. Presque. Ah, ah, j'ai encore la main. Voyons ce que ça raconte. Nous avons ici les trois parties du canon. Un collier avec un saphir, un sextant doré et un carnet infini. Oh, carnet infini que Serpent a. Serpent a un carnet infini, exactement. Je pense savoir où trouver un collier et un sextant doré. Lorsque j'étais... Attendez, il y a autre chose sur cette page. Avec mon ami, près du phare, je devrais lui dire « Esmeralda est enceinte, son enfant... » Je crois que je vais avoir une attaque. J'ai un enfant. J'ai peut-être un enfant. Incroyable. Tout simplement incroyable. À propos du collier et... Vous me parliez d'un collier et d'un sextant doré. Oui, oui, tout est connecté, comme c'est curieux. J'ai peut-être un enfant. Évidemment, depuis le temps, il ou elle doit bien avoir les 25 ans. Ça alors? Nous parlions d'un collier et d'un sextant doré. Jeune homme, vous devez m'aider. Vous le devez. Je sais exactement où vous pourriez trouver le sextant doré. Je vous dirai tout. Aidez-moi simplement à découvrir ce qui est arrivé à Esmeralda et à son... à notre enfant. Je vais vous aider. Comment faisait-il tout ce sans moi avant? Réfléchissons par où commencer. Esmeralda est arrivée par une caravane de gitans en franchissant la passe nord. La passe s'étant effondrée, ils n'ont pas pu repartir. Il me semble avoir entendu dire qu'ils avaient monté un campement près du fort de la montagne, au nord du village. Heureusement qu'il me le dit, hein. C'est pas comme si depuis tout le temps pour arriver jusque là, j'aurais pas exploré quoi. Vous devriez y aller pour parler à son frère. Il doit être devenu le nouveau baron des gitans depuis la mort de son père. Ok. À propos du Necronomicon, vous travailliez autrefois à l'université, si je ne me trompe. Oui, c'était le bon vieux temps. À l'époque, je crois que ma vie avait encore un sens. Mais maintenant, plus rien ne me motive. J'en sais assez pour savoir que, je n'en saurais jamais assez. Et en plus de cela, les lois imposées par l'Inquisition sont devenues aberrantes. J'ai préféré tout laisser tomber. Peut-être y avez-vous encore des contacts. J'aurais besoin d'un livre, le Necronomicon. Oh, jeune homme, j'ai emporté ce livre avec moi. Personne ne s'intéresse à ces bêtises sur la magie. J'en ai donc fait cadeau à mon ami. Il ne sait pas lire, mais il aime bien les dessins. Où se trouve votre ami? Juste ici. Ah, ah, il est gardien de phare. Très bien. Tout ça pour qu'il me dise ça. J'ai besoin de vous pour les calculs au sujet du moulin. Les trois parties du canon, c'est plus tard. Vous êtes fort pour calculer des angles et des cosinus, n'est-ce pas? Oh, ça me paraît compliqué, votre histoire. Je n'en suis pas si sûr. Ah. Ah. Ok, bah tout est bloqué. Non, pas Serpent. À propos de ce livre. Bonjour, possédez-vous toujours le livre que l'astrologue vous a offert? Oui, c'est un gros bouquin. Et les dessins sont très laids. Je m'en sers pour caler mon armoire. Pourriez-vous me le donner? J'ai bricolé un nouveau pied pour mon armoire, alors pourquoi pas? Mais c'est un gros livre, et en jugé par les dessins, il doit être très intéressant. Enfin bon, je suis prêt à vous l'échanger contre une poignée d'asticots. Ah, les asticots, ça, j'en ai sur moi. 5, oui. Oui, pour le Necronomicon. Commercé. Je me dis tellement que je devrais prendre tout ça en plus haut, mais je me demande
aussi pas mal à quoi sert la pêche, à part pas grand chose en fait. Donc les calculs pour le moulin, alors attendez, parce que là il y a beaucoup de choses, ou non. Je vais rentrer, je vais arrêter l'épisode, et au début du prochain épisode, je regarderai qu'est-ce que ça m'a avancé, qu'est-ce que ça m'a bloqué, enfin qu'est-ce qui est vraiment bloqué maintenant par l'astrologue, et je ne peux pas augmenter jusqu'à 60 d'amitié avec lui, donc c'est vraiment bloqué pour le moment. En tout cas, ça m'a déverrouillé serpent. Si une chose est sûre, c'est bien celle-là. Là, je vais récupérer mon argent. Peut-être ma première pièce d'or. 45 pièces d'argent. Comment on fait pour voir son argent? Là, tout en bas. Une pièce d'or et 8 pièces d'argent. Youpi! Oui. Je vais faire 3 autres caisses de clous. Ou peut-être de citrouille. Et des clous, ça me paraît pas mal. Oui, des gâteaux. Il y a ça aussi à faire. Alors, on pose ça. Si, viens. Caisse de légumes. Ouais, tu peux faire une caisse d'oignons. Mais ça rapporte moins qu'une caisse de clous, quoi. Ah, mais il n'y a pas assez de clous. Donc on va inverser. Le problème des clous, c'est que ça... demande vraiment beaucoup. Un truc comme ça. Alors toi... Ah non, toi tu travailles à Cadou. Attends. C'est toi qui travailles à 18%. Très bien. Toi qui travailles à 12, tu peux te mettre là. Moi je pose ça. Poser les champignons. Dans l'intérieur. Je suis un peu... Voilà. Ça par contre, je peux le poser. Je vais prendre un déchet agricole pour le moment. Pour voir en quoi ça se décompose. Et ça, ça se décompose ou pas? Non. Très bien. Le gâteau. Je vais quand même tout poser au sous-sol avant. Parce que le gâteau c'est très bien, mais j'ai pas assez de foi pour étudier. Ah oui. Vous me direz, on est le jour du. Necronomicon, on va le poser ici. Il peut pas le poser. Si, j'aurais peut-être assez de fois pour. Faut que je teste tout de suite en fait. Ces deux-là. Trois et trois. Si, j'aurais assez. Bon, alors je garde sur moi. Et on va se coucher. On fera le sermon demain. On le fait pas à l'aube. On aime bien faire les... sermon le soir, en début de soirée comme ça, tranquille, posé. Bref, sur ce, c'était un épisode bien assez long, une bonne heure et demie.
Du coup, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous vous amusez presque autant que moi sur Graveyard Keeper, et je vous dis à bientôt.